Bon, alors évidemment, comme tout le monde, j'essaie d'avoir une vie sociale quand même pendant le confinement. Et du coup, j'ai plein de groupes WhatsApp qui sonnent comme ça tout le temps. C'est marrant parce qu'on s'est tous pris pour des coiffeurs. Tous mes noms de groupe ont un jeu de mots dedans. Ouais, co-confinement, con-confiné, corona-amitié, Covid Copperfield, Covid SLOF, Covid Beckham, Covid et Jonathan. Il y en a plein. Et alors, comme tout le monde, je fais des apéros sur Internet. Et ça, c'est vrai que c'est marrant. Alors déjà, t'as les vieux. Et les vieux, ils essaient. Pour agrandir, en fait, t'appuies sur le bouton juste en dessous. Attends, voilà. Tac, celui-là? Non, c'est pas celui-là. Attends, ah, voilà, c'est parce que je m'étais trompée. Attends, ça. Ouais, ça c'est celui-là, sûrement. Ah non, là, t'as raccroché. T'as celle qui était ringarde avant. Pas trop dur pendant le confinement de pas baiser. Puis qui est toujours ringarde, du coup. J'ai envie de te dire, ça fait un petit moment que ta chatte, elle est confinée, hein. Et alors elle complote. Le coronavirus n'existe pas. Attention. T'as celle qui prend ça trop au sérieux. Attends, les filles, je suis pas prête encore. On n'avait pas dit dans 5 minutes. Juste, je voulais faire aussi des toasts avec des endives, mais j'ai pas tout prêt. Et qui veut te montrer des trucs dont tu te fous royalement. Ça, c'est l'ancienne de Cla. Ça, c'est la nouvelle de Cla. Les pâtes, on a pris des pâtes complètes. On a pris des pâtes semi-complètes et aussi, on a pris des pâtes genre aux lentilles. Oh, regardez! Mon chat, il fait le... Et quand on fait bien ses stocks, à mon avis, on n'a aucun problème de pénurie, quoi. T'as celle qui est bourrée. Salut les filles, je suis bourrée. Qui veut voir ma chatte? Ah, elle dit la chatte. Ouais, globalement, je dirais que depuis le début du confinement, mes amis sont tous devenus alcoolos. T'as celle qui est en retard. Celle qui est débordée. Oh, les filles, je vous préviens, j'ai qu'une fenêtre de 20 minutes parce que là, je suis charrette. Hein. Moi, j'ai toujours pas donné le bain à Milo et il faut encore qu'on se tape les devoirs de 5e de Babel. Oh, je te jure, on est sur Pita, là, j'en peux plus, là. J'aurais dû les foutre à Montessori, tiens. Hein, ils m'auraient pas saoulé avec les mathématiques. Celle qui fait la cure de sébum. Et puis celle qui ne fait pas la cure de sébum. Ah, mais toi aussi, Marine, tu fais la cure de sébum? Bah, non. Ah. Je suis revenue. Comment on fait? Là, on t'entend plus, là. Christine est toujours pas là. Bon, tu sais quoi? Et je décale la poésie. On décale la poésie! Oh non, je peux pas, c'est vrai, il y a crêpe. Ah bah voilà, ça me fout dedans. Tu sais, tu devrais faire la cure de sébum, Laura. Ça vous dérange, les filles, si je me rouvre un petit? Eh, fais chier, Christine, merde! Je vous préviens, c'est le dernier scalpéro que je fais. Hein. J'ai autre chose à foutre que d'attendre les gens, moi, je peux te le dire. Ah bon, t'as quoi d'autre à faire? Eh ben, j'ai un cours de pilates sur Zoom, figure-toi. Globalement, on se dit toujours la même chose. Franchement, ça va. Ça va. Ben oui. Ça va! Mais on pense tous. C'est horrible, j'en peux plus! Je l'ai là! Là! Je vais déglinguer mes gamins. Je suis complètement bourrée. Heureusement qu'il y a le chat, parce que sinon. Je vais les foutre au congélo. Alors, un moment, on finit par accrocher avec la meilleure excuse du monde. Je vous laisse, les filles, je vais applaudir les soignants. Bisous! Bisous! Câlin dans la chatte! Allez, bisous. Alix, tu remets ta culotte! Bisous! Ça y est, j'ai réussi! Ça va tout le monde? Comment on fait pour accrocher? Allez, je vous laisse, je dois applaudir les soignants. Bisous.